Et ok! Yes, salut à tous, c'est Ricalcos, on est parti pour la suite de nos aventures sur Pokémon version épée! J'enlève le curseur, ne vous inquiétez pas. Hop, voilà! Alors, je vous avais laissé la dernière fois suite à mon premier badge. Il est là, mon premier badge. Attendez, parce qu'il faut que je. Voilà, ma carte. Ma super. Non, ça, c'est pas ma carte. Je confonds, c'est ma carte de ligue qu'il faut, pas la carte tout court. Voilà! Oh là là, mon beau profil. Mais le plus important, c'est le petit badge qui est là. Le badge plante. Je suis très en retard par rapport à tout le monde, mais c'est normal. Parce que je fais que des séances de 3 heures. Je prends mon temps, j'apprécie. Avec mon numéro 12 qui défonce tout. Mais enfin bref, là aujourd'hui, on va s'occuper du deuxième badge. Mais avant toute chose, je pense que je vais un petit peu m'entraîner dans les terres sauvages. C'est ce qui était prévu. Ce qui est bien, c'est que la guerre est gratuite. Allez, les terres sauvages. Donc là, il faut que j'entraîne mes Pokémon au moins jusqu'au niveau 25. Je sais. Et donc, il est cool ton vélo. C'est quoi? Il est absolument parfait pour participer au fameux multi-rallye. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Quoi, le multi-rallye? Changer ma tenue de vélo, aller encore plus vite. Que c'est que ce délire? C'est vrai qu'on pourrait changer sa couleur. Ah, j'ai une super idée. Et si tu portais une couleur assortie à ton canard artichaut? Que dirais-tu de la couleur de type combat? Non, on va rester en couleur boutisme. Et déjà de cette couleur-là, ta tenue. Ouais, faut que je retrouve la touche. Ah, je sais plus comment on fait le... Merde. Non, je veux pas faire d'échange. Percy, quoi. Comment ça, il sait déjà? Moi aussi, je suis en retard. Lol. Je sais plus comment on fait du vélo. À moins que ça ne marche pas ici. C'est bizarre, parce que... Ça paraissait parfait. Donc on va aller vers le pont là-bas. Il est balèze ce Pokémon. Les Pokémon à pêcher et tout en plus. Oh. D'ailleurs il est encore là le... On va y rester longtemps. Non, j'ai perdu mon truc spécial. Il est là-bas. Plus ou moins. Le lac Milobélus. Porte bien son nom, dis donc. Il a l'air d'avoir des barpeaux là-dedans. Oh putain, non. Pas encore un barpeau. Il est chiant à capturer à la base. Bon, là, c'est de la luck maintenant. Bon. Match chopper et tout. Du monde, hein. Plein de Pokémon à capturer. Ah. Une Pokéball. Un gros champi. Je peux pas sauter direct. Je vais prendre le fond. Oh. Mouflair. Wow. C'est un bon entraînement, dis donc, pour la championne de type O. Wouah ! On en est là, quoi. Il est carrément un Léviator. Ouais, sirène, c'est ça. Wouah ! Salut, toi. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Rien du tout. Je visite. On va passer des séances là-dedans. Félix. Il y a du Blitzy! Quoi ça? Ah, c'est ça le gamin! Putain, mais... Tu peux capturer combien de Pokémon dans ces terres? La glace plante. Bon, un coup de feu et c'est fini. Oh, une cité, c'est trop bien!
Piétisol. Le lanceur piétine le sol et inflige des dégâts à tous les Pokémon autour de lui, baisse aussi leur vitesse. Il y a du Machoc, il y a du Blissey, du Sel Gamin. Oh, il y a du Arcéomir. Oh là 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 là, mais il y a combien de Pokémon ici, dis donc? Là partout. On peut juste viser le pont là-bas. Ah, on peut vraiment en capturer un paquet avant la première arène, c'est trop bien. J'adore cet endroit. C'est que j'ai pas le temps de capturer des Pokémon. Attendons qu'on ait des Hyper Balls pour tous les capturer. Maintenant qu'on a notre équipe. Ouh, j'aurais préféré l'autre, mais ça va. Dindali, va pas se roter, hein. On récupère juste ça tranquille. Oh, des restes! C'est cheaté, ça! Je vais avoir du mal à quitter cet endroit. Oh non, pas la tentation. On est là pour s'entraîner. Pour l'instant, il n'y a aucun Pokémon qui m'intéresse. Oh là là! Il y a du lourd. Hein. Très beau. C'est très beau, mais voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre de bien là? On vous fouette ça. Ah, j'espère que vous kiffez parce que moi je kiffe. Hein. 4 euros. Ouais. Oh, des petits crabes. Deuxième génération. Un petit champi. Un rappel. On trouve des choses incroyables de l'autre côté du pont. Tu veux savoir quoi? Il y a des Pokémon super forts qui vivent là-bas. Mais j'imagine qu'il faut posséder un certain nombre de badges pour pouvoir les capturer. Ouh. J'espère que je fais pas de bêtises. Wow, déjà, dès le début! Tu veux que je m'approche de ça? Putain, il est réveillé et tout! Putain, mais on va devoir capturer des Ronflex. Et des Smogo. N'approche pas! Elle fait flipper ici. Hein. On va retourner derrière parce que ça a l'air hardcore ici. Une pierre feu. Ça va dévoluer les Pokémon. Tu vas faire du vélo, c'est le bouton plus. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Ouais, merci, je ne savais plus. Les seules touches que j'ai pas testées. Putain, quel con. Je sais pas quel niveau ils sont, ils vont flipper. Wouah! Vas-y, ça fait flipper ici, je peux pas. Trop peur. Je dois affronter des Pokémon niveau 20, pas des Pokémon niveau 30 ou 40. Petite merde de fée. Sur le Ronflex. Mais c'est très grand quand même, les terres sauvages. Il n'y a plus que les terres sauvages t'adaptent. Ouh là là. Pas tout de suite. Je veux juste savoir si les niveaux de Pokémon sont changés ou pas. Je vais aller me faire quelques petits boudets. C'est fort. Hein. C'est qui mon Pokémon de tête? C'est Carnartifou, il me semble. Et Badabou. Mignon ça! Ouais! C'est pas un mamouchon, ça va, on s'en sort bien. Ah oh, putain, excusez-moi, je bave. Il y a ma réputation. Je passais où, mes petits boudets? Parce qu'il neige, c'est ça? C'est dégueulasse. Je veux dire qu'il y a aussi la météo qui change. On est au mois de décembre, ça y est, il y a de la neige partout et maintenant il y a plein de... Et ça veut dire aussi que pour capturer tous les Pokémon, il faut jouer en printemps, en été, en hiver. Il y a des Pokémon de type sol. Non, c'est pas du tout un type sol, ça, c'est un stade gamin.
Il est niveau 8, on va le défoncer. Ouais, c'est sûr. Ok, ils sont bas level. Non, ça dépend des vous. Ok. Oh, super, badaboin, 3, 2, 2, 2, 2, très bien. Okay. Bon, je vais refaire encore 5-10 minutes, donc finalement, je peux aller voir les smogos, ils sont faibles ici. J'ai tenté, oui. Un Excavarine. Il est niveau 15. En cher. Plus coup critique, ok, y a pas de respect. Artijo niveau 24, 3, 2, 1, 1, 2, 1. XP bien dit donc, hein, pour des niveaux 15. J'ai fait une super prise, je suis trop contente. Je échange contre 100 watts. Deal? Ouais, deal. Ouvre là pour toi. Un morceau veut. Allez, je repars pêcher. Des nounoursons et tout. Un outout. Vas-y, je me le solote. Où tout apparaît. Pas un Pokémon plante. Contre un Pokémon de type vol. Ah bah j'ai pas le choix, ok. J'ai Dynamax. Normal ou max, on est outout. Je suis pas bien. Non, 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 on spoil rien pour l'instant, je me démerde. Pas que mes télé là. Ouais. Une seule Pokéball. Oh, capture Dynamax. Ça vibre à mort, hein. Ouais, j'ai capturé un Outout Dynamax. Bonbon XP, x 5. Bonbon XP S. Bonbon Dynamax, super bonbon. Mais c'est n'importe quoi. Le CD triple attaque. Non mais c'est fou. Des bonbons, très bien. Super. Alors moi, ça va surtout capturer les Pokémon. Hein. On va pas trop s'amuser. Que voulez-vous faire dans la boîte? Ok. J'ai cheaté. Je voulais juste savoir ce que ça faisait. Hein. Mais c'est cheaté quand même. Un seul combat Dynamax et t'as déjà des trucs de ouf. Mais ce qui est bien, c'est que tu chômes pas, t'affrontes des Pokémon plus ou moins de ton level, etc. Par rapport à une époque où t'affrontais le Conseil 4
En mode ah bah ils sont faibles les Pokémon. Oh, il y a une fontaine là. Non, c'est pas le vélo que je veux. Hein? Un chien quoi? C'est juste un gars qui aime bien nager, tranquille. Mais t'as trouvé ma planque. Donne ça alors, on parle pas de cet endroit de personne, d'accord? C'est sérieux? J'en profiter pour rentrer du coup. Allez, salut! Mais non, mais il y avait un coin d'eau là, c'est dégueulasse! Rappelez-vous, il y a deux épisodes, je cherchais un chien-chien. Je pense qu'il y a un autre coin d'eau à côté. Oui! C'est le chien chidou perdu! Retournons voir le petit garçon. En vélo. Mon chien chidou, il est revenu. Trop sympa, merci. Tiens, je te donne ça, c'est pour te remercier de l'avoir retrouvé. Un spray gorge. Augmente l'attaque spéciale du porteur lorsqu'il utilise une capacité basée sur le son. Très gentil. Mission accomplie. Je volais. Putain, j'ai fait ce chemin pour rien. Pas un truc pour c'est chier. Demi-tour. J'ai bien mangé. Même plus c'est une guerre. Faut que oui, mais je m'en bats les steaks. Esquive. J'ai failli rouler sur... Oh, il y a un Xatu. 1 million de Blitzy. Attention les apitrini. C'est de la merde. Des griffes. T'as 22 d'XP. La merde. Oh, y'a un gros là. Un pourrinos. Il a l'air fort. Ah. Ah ouais. Aïe. Et riposte, non, c'est mal. Tenté, hein. Il est plus rapide, ça va. C'est pas un coup critique, ça.
C'est la merdouille. On est en mode jet de sable, on n'a pas le choix. Faut qu'il rate ses attaques le plus souvent possible. Un double jet de sable peut-être. Il a réussi toutes ses attaques, c'est dégueulasse! J'envoie ça en bébé. Attaque, vent de glace! Ouais! La vitesse baisse. Ça fait deux Pokémon. 1, 2, 3, 5. Il me reste Sapirade et vole tout. Trop bien. Vas-y, Apirène. Tu peux le faire. Tornade. Reste un PV. Encore une tornade. C'est bien, c'est Voltoutou qui va récupérer l'XP aussi. Ouah, 2-2-2-1. 2-2-2-2 même. Par contre, j'ai plus de Pokémon, on arrête l'entraînement. Pokémon fort, on est passé du niveau 20 au niveau 30 là. Alors on veut aller à... À Brazwick. Je parie que ton Apirène est un mâle. Quoi? Comment ça les Apirènes mâles n'évoluent pas? Bon, ça c'est la quatrième génération, ça je le savais. Je suis au mauvais endroit. Oh, bien dit au centre Pokémon. À bientôt. Ça, c'est dur de jouer qu'une fois par semaine. Déjà, moi et les noms de villes, etc., j'arrive pas à les retenir. C'est complètement paumé. Motorbi, non. Skifort, du coup. Non, j'ai. Skifort, non. Voilà. On y est, c'est le bon endroit. Par contre, on va mettre en première ligne. Voltoutou. Obligatoire. Voltoutou en première ligne. Stade de Skifort. Alors par rapport à l'épisode précédent, je vais quand même faire un effort d'essayer de le faire de manière fair play, mais ça va pas m'empêcher d'affronter les dresseurs. Bienvenue à la boutique d'Unicorn, que désirez-vous? J'aimerais bien porter mon uniforme d'acier là. Non mais... Pas tout? Pas tout? Oui. Non mais ce que moi je comprends pas, c'est pourquoi il faut se farcir un puzzle avant de pouvoir défier la championne, sérieux. Nya nya nya, un dresseur doit savoir utiliser sa tête.
Ça me fait juste la migraine. Ouais, cool, la cassette. Ori, gagne contre Donna, s'il te plaît. Oh, c'est un challenger. Oui, c'est moi, le bal masqué. Le bal masqué, pardon. Quoi que tu peux pas porter autre que la tenue de base pour les arènes. C'est chier. Un cadeau génial pour toi. Ça irait de pair avec ta canne à pêche. Zappa Ball. Pour les insectes et pour les Pokémon aquatiques. Ah non, c'est pour la canne à pêche, d'accord. Zappa Ball te permet de capturer plus facilement les Pokémon que tu pêches. Un mouvement bizarre. Y'a pas à dire. Jeu de mots de merde. C'est une Pokéball pour faire les amoureux des Pokémon. Les Pokéballs, c'est vraiment trop de la bol. Je veux porter mon uniforme acier, je veux pas porter ce maillot de merde. Avec le Dynamax, tout est une question de timing. Ça peut servir de réfléchir aux Pokémon qui peuvent encaisser les attaques Dynamaxées et de Donna. Force de Donna, c'est ce qui fait sa beauté. Sauvegarde. Oui, on a largement le temps de faire cette arène. Bonjour, jeune challenger. Je suppose que tu prends part au défi des arènes et que tu viens affronter le champion de type O. Oui. Commence par enfiler ton uniforme. Les vestiaires sont sur ta droite. Je veux mon uniforme acier, merde. Non mais, qui met un chiffre au prénom de son enfant ? Désolé, mais je vais pas appeler ma fille. Megan, c'est pas correct. Lel. Parfait. Ça va à merveille. Tu peux maintenant commencer la mission d'arène. Attention, une fois la mission commencée, tu ne pourras plus accéder à ta boîte Pokémon. Moi, je vais juste soigner mes Pokémon entre deux. J'ai l'impression que ce défi des arènes, y a pas de soigneur, y a pas d'infirmière. T'es obligé de le faire d'une traite. C'est ça qui est dégueulasse. On joue à Mario ou à Tic et Tac dans la cuisine. Ouais, c'est à peu près ça. On joue à Tic et Tac là. Voici la mission d'arène de Skiforce. Le but est d'arriver à sortir du labyrinthe. Enfin, ce ne sera pas si simple, car il peut se peut que l'eau te bloque le passage. Comment faire dans ce cas, me demandes-tu? Bien, qui sait, peut-être à appuyer sur les boutons pour aider. En avant, c'est parti pour la mission d'arène. Est-ce que je peux l'abandonner? Je peux t'aider? Non, tout va bien. Je peux plus reculer, d'accord. Elle me fait déjà emmerder par une dresseuse, je viens à peine d'entrer. Je vais prendre la douche. Hein. Ah, je peux pas. Oui, qui m'ont dit oui, tu peux utiliser ta boîte Pokémon dans les arènes avant le champion. Ça n'a pas de quoi y part puisque c'est dit dans le jeu. Bienvenue au stade de Skiforce. Goûte à mon déluge de capacité de type O. Liana, dresseuse d'arène, veut se battre. Tritonde, pour faire chier quoi. Exactement ce qu'il faut pas. Je vais frotter Frimousse, ça sert à rien. Ça, c'est vrai que mon vol toutou il est très 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 lent. Ah, ça reste efficace. Il n'est pas électrique normalement le Triton. Faire des étincelles du coup. Bravo vol toutou. Ça va bien que t'évolues avant la championne, ça serait bien. Le level up de Léopardus, 3, 2, 2, 2, 1, 3. Assurance. Elle bonne assurance. Griffe, combo griffe. Bluff. J'aime pas bluff. Tada! Voilà, j'ai pris une attaque, je sais pas à quoi sert. J'aurais dû lire. M'attendais pas à rencontrer un dresseur de ta trempe. Mon triton ne s'en remet pas. Mon portefeuille non plus. Ah, donc on appuie sur le bouton. Waouh. On appuie sur le bouton.
C'est sûr que c'est un labyrinthe, messieurs, dames. De toute façon, c'est très linéaire pour un labyrinthe. Wouah! Après, j'ai le choix, j'appuie sur le bouton rouge, je suis dans le caca. Donc, on est obligé de passer par là pour appuyer sur le bouton jaune, puis après le bouton rouge. Oh là 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 là! Tu peux couper l'eau en appuyant sur les boutons, mais tu dois te trouver dans quelle heure de faire. Il tombe au pur, c'est à partir de Batrachné qui devient au sol. En plus il est seul, je pensais qu'il était que... Donc Ravis c'est du pur eau qu'on a vu tout à l'heure. Hein. On va rester sur la technique étincelle pour l'instant. Oui c'est vrai. Ah, tant que je ne fais pas Fort Trimousse, ça marchera pas très bien. Alors étincelle c'est une attaque spé, donc du coup ça fait son petit truc. Oh bah la paralysie, très bien. Même étincelle fait paralysie direct, c'est ça me plaît. Voilà, un KO. Bravo Voltoutou. Écrapince. On ne change pas. Allez, lèvres de Fribousse. Il tourne tout seul. Laissez la paralysie encore. Wouh. Bon vilol. Non, électrocute-moi ça. Line, si tu veux après ton aventure, si tu veux compléter le deck, je pourrais te filer les deux autres starters. Ok, ça marche. C'est ce qui est prévu après. Hein. 2-0, 1-1, 2-1. De toute façon, je serai pas tout seul. Hein. J'ai plein de potes qui jouent à ce jeu. Et les deux versions, j'ai épée et j'ai David Mitril qui a bouclier. Donc il y a pas de problème. Compléter le Pokédex, c'est jouable. Mais bon, eux, ils auront déjà tout fini. Ils seront passés à autre chose autant que moi, je finisse. J'ai visiblement pas trouvé dans quel ordre lancer les capacités. Et Voltoutou qui évolue. Le Raichu dans le cul. Le Raichu dans le cul. Le Raichu dans le cul. Bulgudog. Putain, je vais avoir du mal. J'aurais dû donner un surnom. Mais il est beau comme ça, franchement. Ah oui, il est plus beau. Il produit de l'électricité puis la transfère dans ses pattes pour mieux courir. Ainsi, il peut foncer pendant 3 jours et 3 nuits. Dis-moi que t'es rapide. Dis-moi que t'as gagné en vitesse. Hein? Dis-moi que t'as gagné en vitesse. J'ai presque tous les jeux de la série principale, il me manque juste Saphir. J'ai trouvé Rouge Feu la semaine dernière. Dis-moi que t'es rapide! Ah si, il est plus rapide qu'à Pyrène. Mais attends, il a 70 de vitesse. Wouah. Ah ouais, t'es le plus rapide en fait. Ah, fait trop du bien. Il était de tension quand il était Voltoutou et là, il vient de chier, je te kiffe. Ah là là, le bouton jaune. T'as coupé ça. Je joue qu'avec les boutons jaunes hein, et rouges, donc apparemment, faut faire ça. Hein. Ensuite, oh, le bouton rouge. Maintenant, je peux passer pour m'occuper de la dernière étape, qui sont des trucs bleus, si j'ai bien compris. Donc, il faut trouver le bouton bleu. Alors, pour trouver le bouton bleu, j'ai pas le choix de passer comme ça. Mais attention, si tu appuies sur le bouton bleu, qui est là, ça va activer le truc et je vais devoir faire tout le tour. Oh là là. Et je dois appuyer sur le bouton rouge parce que je suis un crétin, j'ai pas regardé toutes les possibilités possibles et imaginables. Appuyons sur le bouton bleu. Oh non, je dois appuyer sur un bouton jaune pour pouvoir passer. Quel labyrinthe ultra difficile. Oh, je peux passer par là. Et là, nous avons pile poil ce qu'il me faut parce que j'ai un bouton jaune qui est juste là. Mais le problème, c'est que j'ai une dresseuse encore à affronter avant d'affronter la championne.
Et on va tester enfin. J'ai oublié déjà son nom, donc mon vol toutou évolué. Hein ? Mais t'étais pas censé arriver jusqu'ici ! En plus, faut qu'on se batte maintenant ! Ouais. Allez, baston ! Cheryl, la dresseuse. La reine, évidemment. Rémoraide. Les petits poissons. Putain, un peu plus, on croirait qu'il est. Allez, Fulgudog ! Deux Pokémon. C'est le plus rapide. Oh la vache. Je suis pas habitué. Wow ! Il défonce tout. C'est du bien quand ça évolue. Cette morsure. Kelocro, je sais plus, c'est quoi Kelocro? Ah oui, c'est un nouveau ça. Ça se prend étincelle. Hein. C'est bon. J'ai un Pokémon qui est prêt pour l'arène, c'est nickel. Ah bah non, je suis déjà, c'est pour la championne, pardon, je voulais dire. Évidemment, on a perdu lamentablement. C'est la fille qui est en mode oh non, je veux pas affronter le dresseur. Je me mets à la fin pour essayer de me poser une mini résistance. Ah oui, mais là ça se complique parce que si j'appuie sur le bouton jaune comme un crétin, le bouton bleu il passera beaucoup moins bien. Donc il faut régler ce petit problème. Donc pour ce faire, et c'est stable le pourquoi j'ai dit je suis un crétin d'avoir pas tout visité, je dois d'abord appuyer sur le bouton rouge. Là. Ensuite, je vais pouvoir appuyer sur le bouton jaune en toute tranquillité. Quelle difficulté! C'est pour ça que la première chose qu'on fait quand on est dans un labyrinthe, c'est de regarder toutes les possibilités avant d'appuyer sur quoi que ce soit. Ça me fait marrer de l'avoir dit justement. Et là, le bouton bleu. C'est pile poil le dernier bouton. Et maintenant, je peux y aller. Waouh, ça vaut une sauvegarde ça. Champion. Gagné. C'était vachement dur. Hein. Franchement. Les arènes qui m'ont posé beaucoup plus de problèmes que ça. Mais c'est que les premières arènes, c'est normal. Je pense qu'on va bien se marrer après. Mission accomplie. Allez, numéro 12, on est parti. On va passer à la télé. Le couloir de la mort. Là, il y a tous les fans de type O. Ho ho ho! Joyeux Noël avant l'heure! Bienvenue dans mon arène, Challenger. Comme tu le sais, je me nomme Donna. Désolé que tu aies eu à me chercher. Tu es venu à bout de ma mission d'arène, qui était pourtant relativement complexe. En commentaire. Et je dis cela en toute humilité. Tu possèdes un esprit affûté qui te prédispose à la carrière de dresseur Pokémon. Mais ton discernement suffira-t-il à te sauver face au torrent de mes attaques ? Donna, championne d'arène de ce bal. Enfin, on part sur Poissy Raid. Trois Pokémon. Procutation. Je suis trop en avance. Tant mieux. Le faut, hein. Embrochet. Enfin, on a des poissons. Alors lui aussi, c'est un petit nouveau. On est bon.
Maintenant on est à 2-0, merci Voltoutou. Et level up de sort bébé à 2-2-1-1-1-1. Torgamore. Désolé, c'est pas fini. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Et Frode Frimousse. Allez, mode Dynamax. Torgamore libère la puissance du Dynamax. J'ai pas lu la fin. On voit une brèche au-dessus. Et pareil. Putain, il est plus rapide qu'un Torgamore. Tiens, j'ai un cadeau pour toi. Essaye de l'encaisser. Hydromax. Un peu mouru. Ah, de la pluie en plus. Léopardus, t'es rapide, tu vas pouvoir envoyer des... Là, on va partir un peu sur la strat. Hein. Donc on a encore deux tours à survivre avant de défoncer. J'ai de sable. Précision plus paralysie. Hein. Normal au max. Ah, ça en fait bien. Vitesse baisse. Okay. Oh, il a perdu un tour, c'est trop bien. Et voilà. Maintenant, t'es plus qu'une petite merde. Niveau 24 quand même. Assurance, on va tenter. Maintenant, la touche finale. Le Dabouin. Wesh. On va le one-shot. Et le Dynamax du Phytomax. Tu me testes. Opinion. Attaque Hiroshima. Il y a un beau gazon. Ouais. Easy peasy. Ça alors? Tu as fait boire la tasse à tous les membres de mon équipe. Et t'as raflé mon compte en banque. Incroyable. Ma foi, je ne peux que reconnaître ta victoire. Poursuis ton avancée victorieuse tout au long du défi des arènes avec l'aide de ton équipe. Qui sait, ta fougue te mènera peut-être jusqu'au titre de maître. Ton équipe et toi avez su montrer digne de ce badge. Porte-le fièrement. Ouais. Ouais, ils ont tous des formes différentes. Et maintenant capturer des Pokémon jusqu'au niveau 30. Je pense que le champion de type feu se fera une joie de vous affronter, étant donné ton niveau. Bravo, tu as vaincu Donna, la championne. Accepte cet été en souvenir de ce jour. Hydrocanon. Siphon, très bien. Un siphon, fond. J'ai mis dans une trompe d'eau pendant 4 à 5 tours.
Et voici une copie de son uniforme en prime. Ouais, l'uniforme haut pour les femmes. Mon équipe et toi, vous avez remporté le badge haut avec brio. Je garderai un œil sur vous. Pour savoir jusqu'où vous irez comme ça. Henri, retiens ton... Oui, il est mignon. On va le voir évoluer parce que c'est pas la première fois. Je suis trop contente d'être ta fan, Henri. Il était serré ce combat. Bien débrouillé. Serré ? Regardez quel match, c'est pas possible, c'est pas le mien, j'espère. C'est vachement pas serré du tout. J'ai contrôlé le match-up tout au long. Mon équipe est fascinante. Bon courage pour le défi des arènes. Qui sait, nos routes se recroiseront peut-être. À vos combats. Le merde. Mais je vous reconnais, vous avez terminé la mission d'arène au lieu du stade de Skifor. Félicitations, récompense, vous pouvez désormais accès à avoir plus de... Et je parle, allez hop, bienvenue à la boutique. De la merde. Merde. Des Poképoupées à 300 Poké-Dollars. Ça c'est chez Toto Rabais. Poképoupées c'était 5 fois plus cher. C'est passé la crise. Le président t'attend au restaurant de Brise-Lame. Ne traîne pas en chemin s'il te plaît. Voici ta carte de ligue au cas où tu aurais oublié son visage. Chez Rose. C'est vrai que j'avais complètement oublié ça aussi. Le président chez Rose ne remet jamais à plus tard ce qu'il peut faire sur le champ. Il refuse de faire attendre même un instant ce qui pourrait bénéficier de son aide. Et moi, je n'aime pas que l'on fasse attendre le président. Alors au galop. Oui, madame. On y va tout de suite, madame. Après la pause. Et là, je vais vérifier si mon équipe est en pleine forme. Alors moi, il est non, c'est pas mon truc. J'ai complètement oublié où est-ce que je dois aller. Mais si, j'allais pêcher dans les terres sauvages. Bonne idée, plein de Pokémon aquatiques. J'ai vu un Léviator à côté. Ça doit être là. Ouais, c'est là. Et ben voilà! Et on va faire la première coupure maintenant. On se retrouve tout de suite pour une discussion avec le président. À tout de suite, les gens!